Un avion de la compagnie Lamia, avec à son bord 81 personnes dont une équipe de football brésilienne, s'est écrasé lundi 28 novembre en Colombie. Quelques rescapés ont été retrouvés. Le club de Chapecoense venait affronter l'Atlético Nacional de Colombie en finale de la Coupe d'Amérique du Sud. L'appareil, un British Aerospace 146 transportant 72 passagers et 9 membres d'équipage, a décollé à 18h15 heure locale de Santa Cruz en Bolivie. Il devait atterrir à Medellín, la deuxième ville de Colombie. Selon les autorités aéroportuaires, il s'était déclaré en urgence pour panne électrique peu de temps avant l'accident. Il s'est écrasé dans une zone montagneuse du secteur du Cerro Gordo, à environ 50 km de Medellín.